Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 13 de ma carrière avec l'OGC Nice, donc sur FIFA 14 évidemment, on ne change pas une cote qui gagne. Donc j'espère déjà faire un aussi bon épisode, désolé le micro s'était barré, un aussi bon épisode que l'épisode 12. Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je conseille vivement d'aller le voir juste avant de regarder cet épisode. Tout simplement. Ah, car c'était une purge. Ça a été énorme. Donc dans l'épisode 12, on avait fait 4-0 face à Sochaux. Et 2-0 face au stade de Brest. Et donc pour cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale puisqu'on va faire carrément 3 matchs aujourd'hui. On va faire un match face à l'Ajaxer, le match face à Bordeaux et le match face à Lille. Et comme ça, dans l'épisode 14, on pourra commencer enfin le mercato et acheter les deux joueurs que m'a conseillé qui s'appellent donc Iturbe et Kelvin. Sinon, si vous avez d'autres joueurs à conseiller, par exemple, si vous voulez voir un buteur, si vous voulez voir un défenseur, vu de la thune que j'ai, je peux me le permettre. Déjà, si vous voulez des joueurs spéciaux, on peut dire spécial dans la vidéo, pour les prochaines vidéos, vous dites en commentaire le joueur que vous voulez voir dans l'équipe de l'OGC Nice. J'essaierai de l'intégrer. Si je peux l'intégrer, je l'intègre. Si je peux pas, je l'intégrerai pas. Et après, j'aurai. Voilà. On va directement se lancer. Oh putain, ouais. Esric, tu veux causer salaire, on va causer salaire. Alors, conférence de presse, on s'en fout. En cause, je me demande si je peux jeter un coup d'œil à mon contrat. Oui, oui, Esric, tu vaux une petite prime, on va dire. Ouais, Menez, faudrait peut-être un peu le renouveler son contrat, parce qu'il est très très bon, Menez. Tu voulais pas partir, toi, Bauken? Alors, t'es où, Esric? T'es où? Esric, voilà. Ça va. Tu demandes que 1000 de plus, tu demandes une année de plus. T'as déjà 2 ans, donc ça fera 3 ans. On va te mettre titulaire important. Hein. On va descendre titulaire important. Car t'es très important pour l'équipe. Avec le coup franc que t'as mis, oui, je peux que... Ah ouais, faudrait que je mette mon équipe de jeunes en place. On va mettre en place. Ouais, 3 étoiles, par contre, c'était pas très cool. Est-ce que... Voilà. Allez, on se permet. Toi. On va t'envoyer... Au Portugal. Référence à des potes, franchement, qu'on adore dire ça, d'où techniquement. Voilà. Toi, t'es en déplacement, tu peux pas, ok. Comme tu veux. Alors, hop, donc on affronte l'Ajaxer. Voyons voir, l'équipe est en forme à peu près. On verra ça tout à l'heure. Donc, le but, ça serait de faire jouer l'équipe B, A et B. Où on verra. Déjà, on va lancer le match. Donc on est premier, on est encore toujours premier. Donc on est pour l'instant sacré champion. Le bleu est porté chance, mais on va rester dans nos couleurs principales. Bozetti, faudrait que je le vende parce qu'il me fait plus rien. Là, ils sont tous en forme, c'est parfait. 76, Anthony Lopez. Je vous rappelle qu'il avait 72 au début. Il a bien avancé. Les joueurs qu'il faudrait que je vende, Bauken, je veux plus qu'il reste. Twatcha, je crois que je l'ai pris en prêt, Twatcha, sinon je vends. Ikoko, il est très bon, je peux le garder. Watcher, il me pète les couilles, donc on va le vendre. Après, le Kalyang, le Cap Bennett, pourquoi pas les vendre. Et racheter aussi beaucoup d'autres joueurs, parce que on peut pas rester comme ça. Allez, on va jouer avec notre équipe à domicile face à la Ajaxer. La Ajaxer, c'est pas Auxerre, mais bon, ça se dit pareil, c'est pas grave. Alors, on va tenter un truc. Boum! Oh, la reprise magnifique de Mana Dembélé, qui, je vous rappelle, dans la saison 1. Oh, magnifique. Un peu une demi-retournée. Boum.
qu'on avait pris pour 1 million quand même. Il nous a quand même coûté 1 million le petit Manad Dembélé. Mais il progresse bien, il avance bien. Si je vois qu'il devient trop vieux. Ah oui, Maurice, il faut le mettre sur la liste de prêt. Pas de prêt, de vente. Parce qu'en fait, j'ai que prêté. J'ai jamais fait jouer le pauvre. Et il est un peu nul en fait. Donc on va le. On va plus le vendre l'année prochaine, comme il commence à avoir l'approche de la trentaine. Donc autant le vendre. Très bien. Oh, première belle passe. Dommage, Ressé. Dommage, Ressé Rodriguez. Dommage. Ressé qui est aussi un très très bon joueur qu'on a acheté au mercato estival. Si ça se dit. Voilà, belle passe. Oh. Heureusement qu'il y a de Savelas qui est monté. Voilà, pour Jérémy. Bon, pas la preuve de Jérémy. Voilà, Ressé. Ressé qui revient. Centre de Ressé Rodriguez. La tête de Ménès qui n'est pas passé parce qu'il y avait le gardien. Le dégagement lointain pour Savelas. Très bon contrôle. Olé. Un taille série qui marque pas beaucoup de buts. Mais les buts qu'il met, c'est des beaux. Hein. Je vais retenter des fois des frappes en finesse. Peut-être que ça passerait. Oh, faute. Ouais, faute. Il y a avantage, c'est normal. Je l'ai déboîté, je l'avoue. Là, il y avait vraiment faute. Parce qu'il y a eu du déboîtage. C'est pour ne pas se prendre de premier but, s'il vous plaît. Pas se prendre le premier but. La JOCR, c'est un petit joueur. On va dire que c'est des petits joueurs, mais très bons. Oh, ça devient embrouille. Voilà, bien, on dégage. On dégage la balle, le gardien va pas chercher. Donc ça sera une sortie de but, mais au moins c'est un peu mieux, on se stabilise. Espérons au moins gagner ces 3 matchs, que la vidéo soit... Ouais, bon, déjà, elle va pas être courte, ça c'est sûr. La vidéo, au moins, elle fera 1 heure. Je suis désolé si pour ceux qui trouvent ça trop long, mais vous pouvez aussi couper la vidéo en plusieurs morceaux. Hein. Attention, c'est Rick. Oh, le gardien, très bel arrêt, très belle parade. Mais vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois, ça vous... m'en fout un peu que vous regardez en plusieurs fois. Tant que vous suivez ma carrière, et comme là, vous êtes content parce que c'est vraiment une carrière suivie. Boum. Oh. Dommage. Savelas, je le vendrai pas. Peut-être j'irai me chercher un nouveau défenseur. Un meilleur défenseur que Kolok Fukunov. Même s'il fait des matchs exceptionnels, hein, Kolok Fukunov. Pourquoi pas un petit Varane. Deuxième frappe de Seric. Oh, le poteau sur la frappe de Valentin Seric. Oh là 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 là. C'était une action qui devait finir dans les buts. Bien, Jérémy. Bon, t'as pas réussi à la garder. Allez. On contient. Faut contenir les attaquants. Très bien. Boum. Pour Ressé. Ressé. Au centre de Ressé. Oh, oh non, la reprise de volée de Dembélé qui n'est pas rentré. Et en plus, c'est hors jeu. Ah, dommage. J'aurais dû rester sur le côté et pas me remettre dans l'axe. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Savelas, hein, lui, je le rendrai pas. Très très bon défenseur. Que je conseille à tout le monde. Faut savoir aussi maîtriser un peu la défense. Et c'est, ça sert aussi le dispositif. Hein, le dispositif est pour quelque chose à nos victoires. Le 4-4-2. Non, c'était pas un 4-4-2. Notre fameux, ouais, notre 4-4-2, losange étiré était pas mal. Ah, dommage, Jérémy. Il était pas mal, mais ça ne donnait pas cette victoire et je rageais pas mal. Plus sur mon équipe que sur mon dispo. Oh, bien la tête sauveteuse de Ménez, mais le gardien l'a réussi à l'arrêter. Corner de Seric. Oh, la faute. Oh, il y a faute. Sur ce coup, mais le danger est écarté. Un bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Allez, mon défenseur. J'ai carrément un défenseur qui allait tirer, quoi. Ouais, il a touché le ballon de la main. Faute. Ah, il y avait main. Ok.
Là, je renie plus sur l'arbitre, hein, parce que je sais que l'arbitrage c'est une pute, alors pourquoi gueuler sur l'arbitre? Oh! Oh! Ah, la peste! Oh là 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 là! Y'a quoi? Oh, il s'est quand même. Il s'est carrément foiré, le mec! Putain, ça c'est du foirage complet. Voilà, c'est bien, Lopez, tu relances comme ceci. Bien, très bien. Voilà. Pour Jérémy. Et c'est Eric. Bon ballon d'attaque. Polo. Pour pied. Notre défenseur Tavelas. Pour Essérik, Essérik accélère, Essérik qui essaye de reprendre la balle mais non. Oh, il se fait subtiliser la balle. Dembélé. Oh non, Dembélé. C'est pas Dembélé le fautif, c'est moi. Je suis fautif. Dembélé. Valentin Essérik. Oh, bien contre. Il fait quoi là? Hors jeu, ouais, mais bon, il s'est mis devant moi quoi. Tu veux que je fasse quoi? Mais cherchez aussi des joueurs, vous savez, qui sont en agent libre. Par exemple, au mercato, ça c'est ce que je vais faire, c'est chercher des joueurs en agent libre. Parce qu'à chaque mercato, il y a des joueurs en agent libre, genre des joueurs de 16 ans, 17 ans, qui peuvent être très très bons et qui peuvent avoir un très grand potentiel et qui ne sont pas répertoriés, par exemple, dans Ultra FIFA ou dans des sites. Jérémy. Oh, dommage, le centre. Putain, on va pas partir à la mi-temps 0-0 quand même. Julien Vial. Jérémy et Banega. En fait, Paolo, j'ai plus envie de le vendre parce qu'il m'a fait des matchs plutôt bons. Bon, je rage toujours sur lui, ça c'est sûr, mais il me fait des beaux matchs, Paolo. J'ai plus vraiment envie de le vendre. Oh oui, contre favorable. Et Golasso. Reste Rodriguez. Ouais, reste Rodriguez. Juste avant la mi-temps, il marque. C'est juste magnifique. Ce joueur est juste exceptionnel. Il est du Real de Madrid. Le Real ne le fait jamais jouer. Avec un contre favorable aussi. Petit filet, magnifique. Le Real Madrid ne le fait jamais jouer, donc je vous conseille de le prendre. Très très bon joueur. Cherchez un peu des joueurs du Barcelone B et du Real Madrid B. Qui sont donc après la Liga BVA. C'est deux équipes qui ne visent pas le podium, mais ils ont tout le temps des bons joueurs. Voilà, on sauve. Et c'est la mi-temps, c'est parfait, on mène 1-0. On va essayer d'aller chercher le 2-0, la balle de break. Essayer de ne pas se prendre de but. Ça serait très bien. Alors, Lyon qui mène 1-1 la mi-temps face à l'OM. C'est très très bien ça. Si Lyon peut battre l'OM, ça nous donnerait un beau petit avantage. Avec Alors qui rentre face à Cáceres. Alors que Cáceres, il sort. Faut que je tourne un peu plus d'épisodes de FIFA parce que là, je vais être à la traîne. Mais bon, c'est un peu mieux de tourner comme ça. Parfait, Essérik ! La frappe d'Essérik ! Oh là là, le canon qu'il a lancé, Essérik. Voilà, il va même lancer le corner. Et ça s'engage dans l'axe, il peut la donner. Une stat qui permet d'en savoir un petit peu plus sur les tirs. Oh putain, je ne vois, il l'a poussé, mais. Oh, c'est un peu la panique là, hein. Et c'est récupéré. Valentin Essérik. Oh dommage, j'ai voulu faire pareil. J'ai voulu faire la même. Bon, ça passe pas deux fois, ça c'est sûr. J'ai voulu faire à Genevois, mais Genevois s'est barré en fait. Et il a dit non, tu ne feras pas la passe. Jérémy Ménez. Oh non.
Oh non. Oh, c'est dommage quoi. Oh. Le mec, il était en stress. Oh, la belle tête. Ah, dommage. La belle passe de merde, par contre. Voilà. La belle. Oh là là, il y a faute là. Oh, oui. Oui, Dessy, il y a faute là. Il y a même pas. Même pas hésitation, il y a faute. Ouais, bien taclé, mais c'est pas fini. Oh, Dembélé, ça aurait été beau qu'il marque parce que ça fait longtemps qu'il a pas marqué un but. Et il perd le ballon. Oh, quelle occasion! Ah non, là, ça, oh, la frappe de Paolo. Oh, c'est le rentré celle-là. Regardez comment elle était magnifique. Elle était belle, hein. Elle était un peu dévissée, mais elle était belle. Sec Béfia, pas face à San Martino. Samaritano. J'espère quand même qu'ils vont me donner les offres de d'équipe nationale parce qu'avec la Nouvelle-Zélande, si vous vous rappelez. Dans la saison 1, malheureusement, c'est comme ça. Hein. J'ai été éliminé en 8ème de finale. Déjà, j'ai passé les poules, c'est déjà pas mal. J'ai perdu face au. Oh la belle passe. Oh là là. Oh là là, la frappe de merde. J'ai perdu en 8ème de finale face à l'Uruguay. Donc j'espère que. Donc là, normalement, c'est encore 2 ans avant la Coupe du Monde, normalement, dans le jeu. Pourquoi pas la Coupe du Monde. Déjà, Euro 2015. Mondial 2016. Non, je crois pas trop au Mondial 2016. Ce sera plus au Mondial 2018, je crois. Je crois que c'est comme ça. C'est l'Euro, il y a l'Euro et le Mondial déjà. Donc j'espère déjà tomber sur une équipe. On va dire de l'Europe, hein, comme ça je pourrais participer à l'Euro et l'Euro c'est un beau truc, un beau petit truc. Oh dommage, franchement la passe dommage. Tête de Madiba. Voilà, on contient. Gardien, bien gardien. Attends un peu. Voilà. Pour Tsavelas. Paulo Dessilier. Et Seric. Alors. Voyons voir. Et ça va s'arrêter là, beau geste défensif. Ok, elle est pour nous. Tout ceci est vraiment parfait. Hein. Putain, bientôt 20 minutes, on a un peu nos premiers matchs. La deuxième on est dérouté. J'essaye de me contenir. Comme les joueurs le font sur le terrain. C'est vrai que c'est pas vraiment réaliste parce que Nice, ils sont toujours 13e au classement, mais c'est une carrière et c'est moi qui joue. Oh bien défenseur, très très bien. Voilà, au moins vous avez un salaire et les mérités votre salaire. C'est Rick. Oh dommage qu'elle contré. Le boulet de canon que j'ai envoyé là, franchement. Écoutez les supporters qui poussent en avec Valentin. Ils savent qu'on est peut-être un tour. Et c'est Rick. Une grosse ambiance ici en effet. Et l'arbitre accorde un coup franc. Bon, on s'en fout. On va pas gueuler sur les fautes. On va pas gueuler. Auxerre, c'est une bonne équipe. Faut pas se décourager. Je vais pas dire ça. Putain, Dembélé est bien fatigué. Hein. Putain, ils ont pas de résistance, mes joueurs ou quoi. Allez, une contre-attaque. Voilà. T'envoies Eric. Boule de canon. Oh, la belle frappe. Oh. Oh dommage, Valentin Eric il a voulu faire une double. Un double coup. Bon, j'aurais préféré que ça soit Ressé Rodriguez qui devait être là, mais bon. Bien Dessely. Dembélé. Voilà, pour Dembélé. Bon, Dembélé, c'était pourri ça. Après, on verra c'est qui a fait la passe décisive. Oh dommage.
Ouais, mais il faut savoir, hein, Ressé est très très fatigué là. Je crois qu'il veut plus faire jouer une équipe B là pour le prochain match. Que même mes défenseurs ils sont crevés. Oh, bien gardien! On a dû me battre! Il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle. Valentin et Céric. Dembélé. Décilier, continue. Voilà, bien. Bien battu. Tu lui as fait perdre du temps. Il doit rester quelques minutes de jeu avant la fin du match. C'est bien. Ah, attention, la frappe! Oh, dommage. Oh putain, dommage. Dommage pour le doublé de Ressé. Allez, le corner bien tiré. Oh, dommage qu'il y a main. J'aurais plus cru qu'il y avait faute. Et s'il vous plaît, que Pogba ne se blesse pas. Hein, parce que non. Une fois ça va, pas deux. Hein. Et c'est la fin du match, c'est parfait. On a gagné 1-0 et on rafle les 3 points. C'est bien, c'est très très bien. Avec des belles actions, on va voir. Donc Eric qui est homme du match, et la passe décisive, elle est faite par personne. Personne n'a fait la passe décisive. Bon. Là. Alors Lyon, ah dommage, l'OM a gagné, a battu Lyon. J'aurais préféré que l'OM fasse un match nul. Bon bah c'est comme ça. On va passer tout de suite au match 2. Au prochain match, hein, c'est simple. Tac, attention. Bien arrivé et prêt à travailler. Ok, toi t'es bien. Non, c'est bon, on s'en fout, c'est Bordeaux. Demande de prêt. Bonjour, après notre dernière rencontre, j'espère bénéficier d'un meilleur temps de jeu. Mais comme cela n'a pas été le cas, je souhaite être prêté pour maintenir mon niveau de forme et rester affûté. Watcher. T'es pas mis en vente, toi? Alors, vendre. Alors, Mopé, Cambo, il sera prêté. J'ai mis personne en vente. Twatcha. Non, c'est Watcher. Watcher. T'es où? Ah, Fekir, je le fais jamais jouer. Je me reviens de remarquer. Alors qu'il est bon. Boken, toi tu voulais partir donc, on va t'ajouter à les transferts, t'as 22 ans donc tu peux partir vite fait. Young. Ah ouais, il est arrivé récemment, donc je suppose qu'on pourra le vendre après. Watcher, tu veux être prêté? Merde, je peux pas le... on verra ça pour le mercato, si je peux te vendre le mercato, ça serait parfait. Alors, voilà, on avance tout, continue, proposons... D'accord. Ok mon coco. Joue pas ce qu'il faut avec moi, ok? Allez, je te donne 2 ans. Allez, 10%. Tu veux être quoi? Tu es indiscutable? Je peux pas faire plus, hein. Bon, bref, on va arriver au match face à Bordeaux. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Irlande du Nord. Je fais une saison de ouf et vous me donnez l'Irlande du Nord. Non, je suis pas intéressé par l'Irlande. Je connais même pas si c'est une bonne équipe ou pas l'Irlande du Nord. Je crois qu'il y a 2 étoiles. Voilà, Céric. Tu vois? Quand tu veux. Alors, on a qu'un point d'avance. Ouais, mais j'aimerais bien quand même que j'ai une belle offre de sélectionneur parce que j'aimerais bien être... on va jouer en blanc, ils vont jouer en bleu, dans leur couleur. On va voir l'équipe, on va voir si elle est en forme ou pas. Suspense. Et elle est en forme, en très très grande forme. On va faire jouer l'équipe A. Et pour le troisième match, on va jouer une équipe B. Voilà. Avec un Mopé. Ah non, je crois qu'il est prêté, Mopé. Voilà, bien. Petit tir en finesse. Boum.
ça va, t'es plutôt bon, Dembélé. Bien, tu marques, on est en extérieur, donc une victoire, ça serait bon. Un match nul, c'est toujours bon. Donc on était à domicile avant, donc c'est pour ça qu'on... Qu'une match nul, une défaite, ça ne comptait pas. Il fallait une défaite. Alors que nous, je crois qu'on est invaincu pour l'instant. On a fait très peu de défaites. C'est pris des buts, mais je crois qu'on a une des meilleures défenses. Une des meilleures défenses de la Ligue 1. C'est dommage qu'on n'ait pas en Ligue Europa, franchement. Alors que quand on gagne la Coupe de la Ligue, on est qualifié directement pour la Ligue Europa. Dans la logique de FIFA, c'est ça. La FIFA, généralement, c'est comme ça. Hein. Vous gagnez la Coupe de la Ligue, vous êtes qualifié pour l'Europa League. Hein. Mais là, il veut pas, je sais pas, il a pas envie. Ah, dommage. Franchement, dommage. La belle tête. Capté par un Niçois. Par contre, la reprise de balle, là. Allez, bateau physique. Oh non, non, c'est dégueulasse ça, c'est dégueulasse, j'aime pas quand ils font ça. Quand je fais le contrôle et qu'ils récupèrent la balle. Dembélé, on s'approche du but. Dembélé, me déçoit pas Dembélé. Oui, Dembélé. Oh non, c'est pas possible. C'était sur un angle mort, ok. Mais je crois que Dembélé, il a marqué que des buts comme ça, genre des buts châteux. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Vous pouvez attaquer la balle, s'il vous plaît, mes joueurs. Hors jeu, peut-être. Ok, vas-y. Contrôle de balle. Allez. On t'a essayé, Eric. Magnifique passe. Magnifique passe pour Jérémy Ménez. Le centre demi-volée. Oh, dommage. Plein dans les bras de Carrasso. Ah, il est au Bordeaux, Carrasso. Il est à Bordeaux. Franchement, c'est la règle de l'avantage. On rappelait même plus qui était à Bordeaux, Carrasso. Ouais, c'est bien. Parce qu'à une époque, j'étais un peu un fan de cette équipe de Bordeaux. Et il s'avance vers la surface. Oh, le pauvre, putain, il s'est pris. C'était à 4 contre lui, quoi. On s'aperçoit que les spécialistes s'attendent à une rencontre équilibrée, voire même fermée. Vous en pensez quoi? Fermée, je ne sais pas, hein, mais c'est Jérémy Ménez. Oh, magnifique tête de Jérémy Ménez. Meilleur buteur du championnat, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, meilleur buteur du championnat. Championnat, de tout championnat. Meilleur buteur. En championnat, tu m'étonnes. 14 buts. Regarde-moi cette tête, franchement. Magnifique. Franchement, très très belle tête. Rien à dire. Bravo, Ménez. Franchement. Vous voyez, Paris ne le fait pas jouer. Donc, il marque pas, c'est logique. Quand ils font jouer, il marque pas. Avec l'OGC Nice, il marque lui au moins. Et le petit Cavani et le petit Valbuena de l'année dernière. Et puis c'est que le début de saison. Hein. Petit Valbuena, petit Cavani qui avait, je sais pas, 13 buts en 15 matchs. Désolé, mais non. S'il vous plaît, qu'on s'en prenne pas un. Ça serait bien. Ouais, c'était un petit peu enfermé sur les côtés. Il a perdu le ballon. Très bien. Bon, je vais essayer de transformer un peu cette tête. Ce sont les voilà, on continue. Hop, balle talonnade. Petite touche de balle peut-être. Un petit contre favorable. Voilà, c'est ce que je cherchais. Pour Tsavela. Oh, dommage. Un bon pressing du défenseur. Il la joue vite. Ils ont raison. Il joue foot, hein, c'est normal. Sors belle raide, voilà. Nous, par contre, il veut pas la jouer vite. Alors, on va la jouer vite en arrière. Jérémy Ménez. Dembélé. Elles sont traitées bien. Dommage. Mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Oh, le tir! Ah, ce ballon. Jérémy Pied. Ah, dommage qu'il est hors jeu. Dommage que Pied est hors jeu. C'est dommage. En plus, la tête elle rentrait pas, donc tu m'as un peu déçu. Mon petit pied droit, tu m'as déçu. Désolé. Fallait que je sorte cette blague de merde au moins aujourd'hui.
trouve son partenaire sur cette talonnade. Attention à cette perte de balle au milieu. Très bien, très beau tac. Franchement, juste magnifique. Oh là là, de justesse, il a été repris. Oh là, on dégage, on prend pas de risque. Mauvais dégagement. On s'approche. On prend pas de risque quand même. Bien sûr, il suffit de voilà, on tient bon. Voilà. La mi-temps arrive, il faut tenir bon sans se prendre un but. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Il revient à la faute, hein, normal. Oh non, pas un coup franc, je sens qu'il va le mettre le coup franc. C'est Joe. C'est Joe, jouer à Bordeaux. Oh là 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 là, j'ai de la chance, c'est Joe. Joe coup franc, il pardonne pas ce mec. Je crois quand même qu'il était trop loin pour espérer quoi que ce soit. Ouh là 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 là. Putain, plus heureusement que Lopez, franchement, il la touche, hein, parce que là. Lopez, il a un bon avenir de gardien, hein, franchement. Il a un très très bon avenir de gardien. Il mérite largement sa place de gardien au Portugal et un des meilleurs gardiens au monde peut-être. Dans mon équipe est très très bon, hein, ça. Désolé Zarek qui me fait mon gardien alors que j'ai acheté pour 2,5 millions si je m'en rappelle bien. Ouais, c'est bien de jouer collectif comme ça. Bien défendu. Ah bon, tu savais là, c'est pas, il fallait pas trop y compter. Oh la belle frappe. Frappe de Kolokov. Faut le vendre ce joueur parce que j'arrive pas à prononcer son nom. C'est mauvais ça. C'est pas bien quand on sait pas prononcer. Oh, petit placé. Oh, dommage. Tenter un petit placé. Oh, y a du monde pour le reprendre. La belle tête. C'est dégagé du coup. Oh, gardien qui est venu au point. Et voilà, déjà 45 minutes. Mi-temps, c'est parfait. On mène toujours 1-0. Comme au match précédent. Ça se répète. Il y aura peut-être des L'OM qui mène 1-0. Match terminé, ah merde, ils ont gagné 1-0 face à Toulouse. Non, c'est mi-temps MT, c'est pas match terminé. Non, c'est fin du match, donc ils mènent 1-0. Ils peuvent peut-être, on peut espérer que Toulouse remonte, hein, qui sait, peut-être aller chercher un petit but à 90e minute. Là, on va essayer de tenir un maximum déjà, si on peut gagner le match. On dit que je crois à mon équipe, donc on peut le gagner, donc ça serait très très bon. Sauf que là-bas, je la vois pas trop. Faut que je change de ballon. Le gardien qui est à la réception du centre. Pour Lopez, hein, qui est juste exceptionnel. Voilà, tu dégages bien la balle, bien devant, parfait, easy. Mariano, très bien joué la défense. Voilà, très bien. Hop. Hop. Fait un bon match, hein, pour le moment. Non, mais Jérémy Fille, il fait vraiment des matchs exceptionnels. Hein. Très. Depuis. Ok, bon, il a un peu arrêté de faire des bons matchs quasiment toute la saison 1. Mais en début de saison 1, il m'a fait un beau match, hein, avec son très très beau but. Ok, je voulais plus faire un LBY, mais bon. Ouais, c'est propre ça. Non, Menez, faut pas exagérer, il a pas 90 en vitesse, Menez. Oui, joli 1-2. Sané. Diarraté. Ouais, magnifique, il a bien fermé le couloir. Les deux joueurs à la lutte. Milovic. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Me tais un peu, faut que je me. Consent. Oh bien gardien. Et en plus il ne commet pas de faute. Ce que j'ai déjà fait avec Lopez, des fautes sans récupérer la balle, hein, donc, Allez Dembélé. Parfait Dembélé. Le centre peut-être tête piquée. Oh oui non. Oh non je suis maudit. C'est pas possible. Hein. Ah, hors jeu. Je crois qu'il est parti. Ok, hors jeu. Merci.
tout cas l'entraîneur ose, hein, ça c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Tout mieux, voilà, alors, parfait. Eric. Non, voilà. Ça n'ira pas plus loin. Non. Bon, bon, d'essayer, c'était une mauvaise passe. Pas commencé à faire des mauvaises passes, d'essayer. Surtout, t'as failli marquer un but tout à l'heure. Mariano. Milovic. Continue. Voilà, dire très bien. Oh non, non, très très mauvaise passe. Elle perd le ballon. Pour se dégager. Hein, voilà. Comme ça nous avance pas, même pas du tout. CV. Le Bordeaux en pleine phase offensive. Mais ça c'est bon comme intervention, c'est propre, efficace. Jérémy Pied. Mais Menez, faudrait que peut-être que tu partes en attaque des fois. Ah, la passe en retrait pour le gardien. Salé. Voilà, ça c'est du pressing les gars, ça c'est du pressing. Voilà, tu tombes mais t'arrives. Ah, 6 passes décisives quand même. Sur la possession, et ça reflète bien l'équilibre de ce match quant à la circulation. Jérémy. Oula. On construit devant le but sans se précipiter. Desseli. Ah, il se sent bien en ce moment. Hein. Ah, c'est vrai qu'il enchaîne les bons matchs. Hein. Oh, dommage. Franchement, dommage le tir. Bien, il était bien cherché le tir, dommage. Putain, il se fatigue vite, hein, mes joueurs. Putain, c'est abusé. Et c'est Eric. Parfait, Valentin. Tu connais la petite règle. Tu piques dans l'axe, t'essayes de chercher les contre-favorables aussi. Putain, Poudy, il est rapide, hein. Putain. Pour Cressé ne le rattrape pas, il doit être rapide, hein. Parfait, là, petit hors-jeu. En plus, on a bien essayé de... d'être long avec... on a bien essayé de ralentir Diabaté. Excusez-moi, petit problème avec son nom, hein, comme d'habitude. Les 30 derniers mètres. Oh merci l'hors-jeu, oh merci. Et il continue avec ses hors-jeu, il continue. Le drapeau qui s'est levé. Pogba, voilà, tu dégages bien. Un ballon perdu. Oh là 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 là. Quelle honte. Essaye de passer devant pour essayer de piquer la balle, on sait jamais. Comme ici. Desseli, un tacle très propre, une belle interception. Mariano. Ouais, ouais, on les tient au pressing, on les tient là. Bon, on fait un pressing offensif qui est très très bien. Allez. Empêche-le de passer, genre je l'ai pas empêché de passer là. Ils sont à la lutte. Ouais, contre favorable, vas-y. Vas-y, contre favorable, vas-y. Hein. Pour une défense, c'est très précis. Ça te dérange pas. Et décidément, le gardien semble invincible. Il s'en sort vraiment. Salam alaikum. Désolé, je suis aussi obligé de la faire celle-là. Salah. Les Rodins vont essayer de construire une bonne attaque. La frappe. Ah, ça va là, le contre-favorable aussi. Oh. Ils vont pas quand même me casser les couilles avec les contre-favorables, ok. Confiance, hein, c'est dommage. Que là, 3 contre-favorables dans le même match, non. Ah oui. 4. Avec un pour moi, putain, j'y crois pas. Genre, ils ont rattrapé mon Menez, c'est pas possible ça. Ils ont rattrapé mon Menez. Joe. Oh non. Flure. Pour être poli. Pas dire autre chose. Mariano. Et l'arbitre avait compté 3 minutes de temps additionnel. Ouais, bien sûr, avantage pour eux. Hein. Vas-y, contre favorable aussi. Je te dirai rien, salope. Saloperie, excusez-moi. Allez, tout suite, toi. Ah, il y a un peu faute là, oh. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Putain, mec. Il est en face de toi, sur ligne droite. J'essaie de tu lui fais une passe à lui, mais non, ça va dans les pieds de l'autre. Hein. C'est pas grave.
quand même gagné 1-0. Mandembélé, très très beau match. Ouais, bon, possession, je suis jamais bon en possession, c'est pas grave. Alors, Marseille, j'ai pas vu, je crois qu'ils ont gagné Marseille. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait match nul. Et on va pouvoir entamer le prochain match. Le dernier match du mois de décembre. Ça, ça vous plaira. Rôle dans l'équipe. Oh putain, Sanchez. Je m'attendais à avoir plus d'importance dans le club. C'est ce que vous m'aviez promis au moment de ma signature. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir cette chance. Tu as que 22 ans, mon petit gars. T'as temps de progresser, hein. Conférence de presse, comme d'habitude. Bon, c'était pas un message très important, là. Risque de perdre un joueur, Jérémy Ménez. Avec 6 mois de contrat restants, seuls les joueurs de 23 ans ou plus peuvent négocier pour rejoindre notre club avant l'échéance de leur contrat. Oh merde! Quel âge, Ménez? T'as quel âge, mon jeune enfant? Non, faut que je le garde. 7 mois. On va être obligé de prolonger son contrat, hein, parce qu'il demande pas d'argent supplémentaire, petit Ménez. Et les gens peuvent s'intéresser à lui. Alors, demande du joueur. Tu veux 2 ans supplémentaires si tu veux. Je t'ai mis titulaire indiscutable, je te laisserai titulaire indiscutable. Voilà. Comme ça, on va te garder, mon petit Ménez. C'est décidé, je te garde. Et on peut entamer notre dernier match de la vidéo. Donc, toujours 1 point d'avance sur Paris, sur l'OM. Et 6 points d'avance sur Paris. Donc, c'est très très bien ça. Tout ceci très très bien. Alors pour voir un peu notre statistique de victoire et de défaite. Alors, nous avons pour l'instant 15 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Donc une seule qui nous a battu. On en a marqué des buts, on en a pris un peu moins, mais on en a donné beaucoup. Alors là, on affronte le LOSC. Sanchez est pas content, il veut jouer Sanchez. Il veut jouer, hein, Sanchez. Et bon, on va faire jouer les jeunes, hein, pour ce match. Allez. Alors, on va changer toute l'équipe. Normalement, Lopez y reste. Voilà. Alors, tu mets quoi? Tu mets du jeune voix, du Cambon, Pogba, Brune, Smendy, Cerik, Pied. Dessy en attaque. Oh là là, putain, il faut te changer. Hein. Alors, Sanchez, Ménez pour Bozetti. Pied en troisième attaquant. Pour notre petit. Oh putain, oh ouais, Mopé est parti après. Pour Thibaut Ken. Après, en MOC. Il nous faut. Ouais, Young c'est un MDC quoi. Ah non, c'est un MOC. Bon, Young, compte sur toi. Après. Voyons voir. Mendy, ok. Bruns, ok. Toi, tu vas sortir. Pour. Non, pas Chouacha. Ouais, non. Ikoko. Pour Genevois, Cambon, tu vas rester. Pogba, tu restes obligé. Et Chacha pour. Ça va être dur. Pour. Ouais. Ouais, Chacha, tu vas rester. Bon. On va essayer avec cette équipe, je dis pas qu'on va gagner, parce que je crois que la seule défaite qu'on a eue c'était en jouant l'équipe B, si je me trompe. Je commence à avoir mal aux yeux. Alors tu dis que tu joues pas à Vincent Chess, bah tu mens, t'es en train de jouer là. Je te donne du temps de jeu. Je vais te donner un match complet. On est à domicile, donc en plus il faut gagner le match. Hein, on n'a pas le droit à l'erreur. En plus on est des petits pour la tête quoi, c'est pas bon. Nous allons suivre le match entre l'OGC Nice et Lille. Votre avis, Franck, sur l'équipe. Voilà, pour Ikoko. Cette première place est un excellent motif de sa. Bon, j'ai cherché le mec qui montait en haut là. C'est un joyeux Noël. Non, ça va s'arrêter là. Il y a hors jeu. Non, ouais, c'est bon, on est en décembre donc il va y avoir Noël, c'est vrai. On aurait pu mettre de la neige. On est à Nice donc ça change rien. On aurait pu mettre, c'est vrai. Alors, voilà, 3 matchs comme ça, vous aurez des matchs, la vidéo sera peut-être un peu longue. Putain. Oh, bien Bokken. Fais-moi un beau centre.
Alexis Bossetti. Oh dommage, je m'attendais à une retournée là quand même, hein. Bossetti, je te fais jamais jouer, mais je m'attendais quand même à une belle petite retournée, hein. Les Lyonnais ne s'attendent pas à un match facile. Oh c'est vrai, en plus je dois acheter un gardien. Donc si vous avez un gardien qui peut être bon et pas trop cher et qui peut bien évoluer pour remplacer Lopez de temps en temps, parce que imaginons que Lopez se blesse, donc un gardien secondaire, c'est sûr. Pas me dire achète des Reas. Et Dera, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est DGA. Il joue, c'est le gardien de Manchester United. Il a fermé la porte du couloir. Voilà, très très bien. Voilà, très bien. Très mauvais. Allez, peut-être une bonne occasion. OP, en plus, c'est parti en presse, quoi, ce con. Gaël. Ah, il lui remet. Bon, je vais essayer de la sauver. Ça n'a pas marché. Qui tente rien n'a rien. Protéger son ballon. Allez, Nice. Et l'arbitre qui n'hésite pas. Là, franchement, l'arbitre, il n'y avait pas faute. Hein. Il n'y avait vraiment pas faute, l'arbitre. Et ils essayent d'emballer le match. Franck Berriard. La surface, attention. Franchement, il n'y avait pas faute. Hein. On s'est dit. Prince. Ça va être dur, les amis, ça va être dur. Hein. Marc Bachelard. Stéphane Bauken. Oh, la belle frappe! Oh là là, contrée quoi. Première vraie frappe contrée. Rampalis Mendy. On s'approche du but. Bossetti. Pour Young. T'as trouvé Bruns, et putain, Bruns qui a partiré ce con. Là, il faut garder au moins une moyenne d'âge de 23 ans, parce que la moyenne d'âge de Nice est de 23 ans. Hein. Et ouais, c'est une équipe de jeunes. Hein. C'est une équipe de formation. Hein. C'est un club de formation, hein, Nice. Boum. Oh, la belle frappe. C'est qui? C'est Sanchez? Ça m'étonnerait pas. Allez, Bruns. Corner. Corner. Oh là là. Quoi, y'a main? Je sais pas où tu la vois ta main, mais bon. C'est une main volontaire. Hein. Et comme on dit, une main volontaire n'est pas sifflée. Hein. Pogba, toujours. Faute là! Je vois ralenti. Juste le tac, je m'en bats les couilles de son but. Alors. Bon, allons voir. Là, j'ai la balle. Hein? Regardez. Regardez bien. Y a pas faute, là? Se fout de ma gueule, parce que là, franchement, regarde. Il touche... il touche la balle, ok. Mais il me prend quand même la cheville. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire... Tant que le défenseur, quand il tacle, il touche la balle, tout va bien en fait. Ça va, j'ai touché la balle, donc il n'y a pas faute. Enculé d'arbitre, oui. Il n'y a pas de repère face à Lille, quoi. Puis j'ai pas mis les attaquants, quoi. J'ai pas mis les bons attaquants. Oh non, putain. Marco Bachar. Ça va, vous vous amusez bien à faire une petite passe à la con, hein? Tu me siffles faux, je te frappe, arbitre. Hein. Bon, ok, voilà pourquoi j'ai envie de le vendre. Parce qu'il sait pas faire de passe, ce con, il sait pas faire. C'est moi ou mon équipe jeune et ils savent pas jouer. Parce que, désolé, j'ai fait une carrière avec Newcastle. Mon équipe jeune, voire donc pour moi, une équipe jeune, c'est une équipe B. Elle est bien meilleure que l'équipe A, quoi. Mais laisse tomber, ils savent pas faire de passe, quoi. Oh. On a perdu. J'ai dû garder mon équipe A, oui. 30 derniers mètres. Une bonne lecture du jeu, hein, sur ce centre. Putain, c'est qui? C'est qui, lui? C'est qui, ce con, là? Sanchez, putain, tu sais pas faire un centre. On s'est dit...
Mais il est pas hors jeu, Sanchez. Il est pas hors jeu là. Je regarde. Un petit peu tôt. Mais ne fais pas ça. C'est quoi ces hors jeu à deux balles? Non, mais il y a pas de hors jeu comme ça. On va essayer de lui prendre le ballon. Et là voilà la frappe. Mais oui. Mais accroche-moi le maillot, connard. Désolé, désolé, j'en peux plus, franchement. J'en peux plus, mais je vais vous harceler. Alors, pouf. On se met en direction du but. Alors, contact. Alors, attention. Y a pas faute? Non, y a pas faute. Ah non. Pff, désolé, y a pas faute. Hein. Ouais, il me prend carrément toutes les jambes, mais toute ma jambe, mais y a pas faute. Bien sûr, mes couilles sur ton front. Hein. Pogba, pas deux fois cette fois. Hein. Oh. Voilà, Boken, zéro vitesse, Boken. Hein. Toi, t'es une pointe, ça se voit. Ça se voit, Boken, que toi, t'es une pointe. Hein. Ça va, les petits contrôles à la con, là, que tu me fais? C'est bon! Oh. Mais je le mène au niveau force, quoi. Oh, putain, il y en a un qui va être blessé à la fin du match, hein. Tu peux pas la prendre la balle, connard? Et toi là? Mais j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre là de ce match. Je veux mon équipe, j'en ai marre. Oh là là, c'est pas possible ça. Oh, c'est des branleurs mes joueurs. Branleurs à la con, oui. Qui a accroché son adversaire. Putain! Et oui, oui, qui a faute, putain! Il m'a fait ça, il m'a fait pire tout à l'heure. Oh là là, des branleurs. Oh Mendy, franchement là. Allez Mendy, voilà pourquoi je te fais plus jouer Mendy. Ouais, me bloque pas trop. Boken, zéro vitesse en plus. Tu mélanges Boken qui a zéro vitesse. Et si en plus il se fait, bien sûr, il se fait marcher dessus, Boken. Au moins un bon centre, au moins. Au moins une bonne tête, au moins. Mais non, mais siffle pas là! Siffle pas! C'est quoi cet arbitre à la con? C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus. Regarde, bon, ben voilà. Il y avait faute sur le but, il y avait faute. L'OM qui perd, Bastia qui fait match. Marseille qui part, qui fait match nul. Je suis obligé de changer mes joueurs parce que là c'est pas possible. J'ai qui? Merci Jiménez. Dégage Bozetti. J'ai Dembélé. Dégage Sanchez. Young. Alors pied. T'as combien en finition? T'as une très bonne finition. On va tirer jouer un attaquant. Allez. C'est pas grave. Non, me dis pas qu'il a pas pris les changements. Non, c'est bon. Bon, je refais les trois changements offensifs parce que là non, je peux pas continuer à jouer dans ces conditions. Hein. Vous pouvez savoir, la mi-temps était complètement pourri, de chez pourri. Il nous mène 1-0, ça veut dire qu'il faut marquer minimum 2 buts, au maximum 2 buts pour gagner le match. Ok, vas-y, prends-moi la balle, évidemment. Hein. Mendy, il joue en quoi? En défenseur, évidemment. Non, ça verra pas plus loin. Pourquoi tu me fais ça, Ménez? Pourquoi tu me fais ça? Mais toi, mais va la balle, quoi. Mais siffle pas faute, là, y'a rien. Franchement, y'a rien. Et faute à la con, là, j'en veux plus, moi. On siffle parce que j'ai envie de siffler. Non, si je sais pas, t'as un quota pour tes... Quand tu siffles, t'as un quota pour que tu siffles? Ou tu te fous de ma gueule littéralement? Et même physiquement? Parce que là tu te fous de ma gueule physiquement, hein. Faut l'avouer. Mais oui, mais laisse passer la balle toi Pogba. Mais oui, c'est encore mieux. Oh, Young il va vite partir. Oh oui, je vais vite le libérer ce joueur. Putain comment je vais le libérer celui-là. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Jérémy Ménez.
Mais faut pas dire Young, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, là, Young? Et toi, Ikoko, va à la balle, défenseur à la con. Putain, t'es un bon défenseur, ça, statistiquement, t'es un bon défenseur. Non, mais sur le papier, t'es une merde, hein. Il faut l'avouer, t'es une grosse queue, hein. Oh là là, oh là là. Mais c'est pas fini. Reigns. Jérémy Pied. Putain, j'y crois pas. Non, non, mais là c'est du foutage de gueule. Le mec il me passe devant et il dégage la balle. Non, non, mais arrête de te foutre de ma gueule là. Oh. Et bien contact. Putain, mais allez au contact quoi. Il récupère la balle, trou de fesse. Menez, pique-toi au centre. C'est pas possible. Et Dembélé, mais va au physique, Dembélé. Je t'ai pris un peu pour ton physique, bordel de merde. Je t'ai pris pour ton physique aussi. Oh oui, le match, franchement, je vous promets. L'IA sur FIFA, Tovin. Tovin, il est encore à Lille, Tovin. Lol. En fait, sur FIFA... Il y a des matchs que vous devez perdre en fait. Ça pourrait coûter cher. Ok, elle est bien partie. Oh oui. Oh oui, Dembélé, voilà. Voilà. Enfin, on revient à égalité. Voilà Dembélé. J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas au but. Le petit lob de Dembélé, j'y croyais pas. Pourtant, pour moi, j'ai tiré, mais bon. Énormément sollicité jusqu'à présent. Et c'est moi ou un de mes joueurs a voulu empêcher de marquer. Oh mais oui, merci. Franchement, merci Dembélé. Grâce à toi, on revient à égalité parce qu'il mérite pas de gagner, franchement. Sur un tac, en plus, un tac l'assassin sur Pogba. Hein, Pogba, il a rien en plus, comme par hasard. T'as pas mal, Pogba, ça va. Ok, Pogba, t'es résistant, mais bon. Et là, il a voulu faire quoi, là? Il a voulu m'embrocher. Il s'est dit, tiens, une brochette. Tac. Merci. Voilà, un joueur rapide. Ah, ce coup franc a joué rapidement. Non, hors-jeu. Mais oui, hors-jeu. Mais oui. Même au moment de la passe, il était pas hors-jeu, mais il est hors-jeu quand même. Marvin Martin. Nolan Rowe. Ok, mes joueurs tombent tout seuls. Young, hein, toi tu vas vite partir aussi. J'ai mes pieds. Parce que tu ne fais même pas un truc potable. Et là, je suis pas accroché, monsieur l'arbitre. Et les défenseurs qui sont au plus mal. Alors. Y'a faute là. Y'a faute. Eh oh putain, au foot là franchement il y aurait eu faute hein. Très équilibré. Très équilibré. Mon cul, ouais, très équilibré. Il joue à 12 hein, je te rappelle. Je suis à domicile, il joue à 12 hein. Donc contre l'arbitre. Parce que l'arbitre je suppose qu'il est lillois. Ils disent il est français, ok, mais il est d'où? Il est lillois, je parie. Allez, putain, mais reviens au physique. Reviens au physique, Ikoko, quand même. Te laisse pas marcher. C'est un défenseur, ce mec. Qu'est-ce qu'ils font en attaque? Te laisse pas marcher dessus. On voit bien qu'il y a un peu plus qu'une simple poussette. Peut-être le but. Oh putain, il l'aurait mis, ce connard, franchement. Et Pogba, il a fait quoi? Il a fait wouhou. Le centre était bon, pourtant. À cette action, on aurait mérité un meilleur sort. Non, elle aurait mérité rien du tout. Alors qu'on est plus très loin de la fin. Jérémy Ménez. Dembélé. Attention, c'est pas terminé. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, franchement. C'est du foutage de gueule, là. Ah, bien sûr, je prends la balle dans les... Je prends la balle, mais non. C'est trop facile. Bon ballon d'attaque. Ouais, fais la passe au gardien, toi. Hein. Ah, c'est tellement plus simple. Enfin... Non, mais là, c'est récupérer la balle. Je pétais un câble. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu là, tu fous de ma gueule. On est deux. Regarde, on est deux en attaque. On est deux. Pendant que tu es deux dans la surface en hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Carte offensive et je pense qu'il a raison. Couillon de la lune. Attention, et Dembélé qui s'est passé devant, évidemment. Par un défenseur qui doit avoir 62 vitesses, il s'est passé devant.
Oui, bien sûr, mais les avantages, c'est toujours pour eux. Hein. Ah bon, précis. C'est toujours pour eux, les avantages. Hein. On change pas un avantage qui gagne. Hein. Dembélé. Dembélé, s'il te plaît, voilà. Tu pourrais un peu bouger ton gros cul. Merci. Pied, ne me déçois pas. Putain, il m'a déçu. Oh, le poteau de merde. Oh, le poteau de merde. J'y crois pas, je me tape un poteau par match, là. Je suis obligé. Monsieur l'arbitre, vive Nice. Tu es à Nice, donc tu es niçois. Donc, tu nous aides, hein. Tu fais pas gagner cette... Tu fais pas... Surtout, ne donne pas la victoire à Lille. Hein. Déjà, un match nul à Lille, c'est... Le match nul de Lille, il est volé. Il est volé, franchement, le match nul. Si c'est un match nul, il est volé. Hein, parce que là, il mérite pas de gagner. Et moi je mets quoi? Des défenseurs minuscules. Menez, bat-toi la vitesse, bat-toi physique aussi. Soirée. Bon ben c'est fini là, c'est fini, ils vont garder la balle. Non, c'est fini. Et il ne se prive pas pour exploiter son... Oh putain, mais le mec il intercepte la balle et où je me casse. Putain, ouais. Le match nul, mais il est volé. Il est volé le match nul. Franchement, il fait un tacle assassin sur mon joueur. Il est volé le match, il est volé. T'as l'OM qui fait match nul, putain, franchement. Ça nous aide pas, on aurait pu prendre quelques points d'avance sur le Marseille, quoi. Bon, cette vidéo elle était assez longue. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. Young. Non, je peux pas faire un contrat à Young, non. C'est où qu'on met, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se trouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ouais, 25 000, donc tu libères, toi dégage, voilà, merci. Et on se trouve très très vite pour une prochaine vidéo. Touche les gens, bye bye, à la prochaine. Et j'ai envie franchement d'avoir une équipe nationale, s'il vous plaît. Allez, peace out.